Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Comment ça va Julien? Super! Et on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, alors sur cette vidéo, on revient sur les affectations. On vous a déjà expliqué que lors d'une affectation, on peut affecter une variable, soit une valeur, soit le contenu d'une autre variable qu'on a déjà remplie. On va vous montrer qu'en plus de ça, on peut également affecter à une variable le résultat d'une expression. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une expression? Eh bien, une expression, c'est un ensemble de valeurs ou de variables qui contiennent une valeur reliées entre elles par des opérateurs. Le tout formant un seul et unique résultat, qui est le résultat de l'expression. Alors évidemment, pour pouvoir affecter le résultat d'une expression à une variable, il faut que le résultat de cette expression soit du même type que le type de la variable déclarée que vous souhaitez affecter. Alors Luc, tu nous parles du mot opérateur. Alors, des opérateurs, il en existe plusieurs. En fait, il en existe plusieurs et ça va dépendre du type de variable qu'on utilise. Du type de données. Ouais, donc puisqu'on veut utiliser des valeurs et des variables mélangées. Si les variables ou données qu'on utilise sont de type entier ou réel, nous allons avoir des opérateurs appelés les opérateurs numériques. Si nos variables ou valeurs sont de type chaîne de caractères, bah, nous avons des opérateurs spécifiques pour le texte, en fait il y en a un. Voilà. Et enfin, si les variables sont de type booléenne, eh bien, nous avons accès aux opérateurs logiques. Ouais. Et donc on va vous donner ici la liste exhaustive et unique de tous les opérateurs que vous aurez le droit d'utiliser dans le pseudocode de vos algorithmes. Et on va commencer par les opérateurs numériques qui sont au nombre de 5, très exactement. Le premier étant l'addition, représenté en pseudocode par le symbole plus, puis la soustraction, représentée par le symbole moins, la multiplication, représentée par une étoile, un symbole multiplié, comme en maths, la division, représentée par un espèce de slash, une division, comme en maths, et enfin, le dernier opérateur, le modulo, que l'on représente en pseudocode par le symbole pourcent. Et le modulo, vous ne savez pas ce que c'est, mais Julien va vous l'expliquer maintenant. Alors, le modulo, c'est le reste de la division entière. Donc, si je prends A et B et que je veux calculer A modulo B, ben, ça va être le reste de la division de A par B. Donc le plus simple pour trouver le modulo, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de poser la division euclidienne entre deux nombres lorsque vous avez trouvé un reste. Donc on prend un exemple, je cherche à connaître la valeur de 5 modulo 2, donc je pose ma division euclidienne, donc 5 divisé par 2, j'ai un quotient qui est de 2 et un reste qui est de 1, donc on peut dire que 5 modulo 2 est égal à 1, qui est le reste de la division euclidienne. 5 par 2. Ouais. Alors maintenant, on va prendre un exemple algorithmique pour vous montrer l'utilisation du modulo, mais qui est globalement l'utilisation des expressions maintenant, d'affectation de résultats d'expression. Donc dans cet algorithme, on déclare trois variables, A, B, C. Et première instruction d'affectation, on affecte le résultat de l'expression 5 modulo 2 à la variable A. Donc on fait une trace avec trois variables, A, B, C. On remplit la première ligne de cette trace pour la variable A avec le résultat de l'expression. Et comme Julien vient vous le dire en faisant la division, le résultat de 5 modulo 2, c'est 1. Donc on a donc 1 dans la colonne A sur la première ligne de notre trace. Ouais, on a ensuite une seconde affectation où B va recevoir 4 modulo 2. Donc le reste de la division de 4 par 2, bah, c'est 0. Donc on va obtenir 0 sur la deuxième ligne dans la colonne B. Alors vous noterez que lorsqu'on cherche à savoir si un nombre est divisible par un autre ou si un nombre est multiple d'un autre, le test qu'on fera, enfin, la vérification qu'on fera de façon systématique, c'est de regarder si le reste de la division entière du premier par un second est égal à 0. Mm. Alors, donc dès que vous avez un reste qui est égal à 0, donc un modulo qui vaut 0, c'est que le premier nombre est divisible par le second. Mm. D'accord ? Donc le second est un multiple du premier. Deuxième cas particulier, si on cherche à savoir si un nombre est pair ou impair, c'est quelque chose qui va nous intéresser souvent, mais il suffit de regarder si le premier nombre modulo 2 est égal à 0, auquel cas c'est que le premier nombre est pair. L'autre valeur possible de reste lors d'une division par 2, c'est 1, et donc si notre nombre modulo 2 est égal à 1, c'est que le nombre est impair. Enfin, on a une dernière instruction où C reçoit 111 modulo 73, et donc ici, bah, bien entendu, la réponse à 115 modulo 73, ça ne marchait pas du coup. Mais sinon, la réponse, c'est 40. C'était 42, bien sûr. Bien sûr. Revenons maintenant sur les autres opérateurs et attachons-nous cette fois-ci aux opérateurs sur les chaînes de caractères. Eh bien là, il n'en existe qu'un seul, comme tu le disais tout à l'heure, Julien. Cet opérateur, c'est l'opérateur de concaténation qui est représenté en pseudocode par le et commercial. Et on vous recommande d'essayer d'en écrire plusieurs des et commerciales parce que ça pose régulièrement problème de pouvoir écrire un et commercial sur une feuille de papier. C'est un exercice très compliqué. Mais qu'est-ce que la concaténation? Alors la concaténation, ça sert à prendre deux chaînes de caractères et les mettre bout à bout.
Donc, pour l'illustrer, on va prendre un exemple ici, dans lequel on déclare quatre chaînes de caractères, donc A, B, C et D. On a une première affectation où A reçoit la chaîne de caractères, donc entre guillemets, where. Voilà. Donc, suivez bien l'exécution de la trace, le déroulement de la trace en parallèle pour suivre cet algorithme, puisque dans la deuxième instruction d'affectation, on fait B reçoit le texte is. Troisième instruction d'affectation, on fait C reçoit le texte check. Et enfin, dernière instruction, on affecte ici le résultat d'une expression, on fait D reçoit le résultat de l'expression A concaténé avec B, concaténé avec C, concaténé avec le texte Norris, point d'interrogation, ce qui donne, dans la variable D, le texte Where is Chuck Norris. Et si vous tapez ça sur Google, vous saurez où le trouver. Enfin, le dernier lot d'opérateurs sont les opérateurs logiques, donc ici ils sont quatre. Nous avons le et logique, le ou logique, le non et le XOR, alors le XOR qui correspond au ou exclusif. Donc ça, ces opérateurs-là, bah, c'est comme l'addition, la multiplication, on ne va pas revenir dessus. Cependant, si vous n'avez pas été formé à la logique, bah, vous pouvez vous référer aux tables de vérité pour connaître la valeur résultat d'une expression contenant ces opérateurs. Voilà. Alors, il est important de préciser qu'avec tous ces opérateurs, il est également possible, dans une seule et même expression, d'utiliser plusieurs opérateurs, évidemment d'un même type. Vous ne pouvez pas mélanger des opérateurs sur les chaînes et des opérateurs numériques dans une même expression, mais vous pouvez utiliser plusieurs opérateurs numériques dans une seule et même expression numérique. Et pour prioriser certaines opérations, vous avez le droit d'utiliser des parenthèses. Donc c'est un symbole qu'on ne vous a pas montré dans le reste des opérateurs, puisque cet opérateur parenthèse, on peut l'utiliser bah, sur nos différents opérateurs, que ce soit numérique, chaîne ou opérateur logique. On peut utiliser des parenthèses pour prioriser, comme en mathématiques, l'exécution de certaines opérations en priorité. Voilà, vous savez tout sur les opérations d'affectation. Je dirais même que vous savez tout sur les affectations. Oui, et oui, en effet. Et donc on reprend sur la suite avec le second lot d'instructions, qui sont les lectures-écritures. Donc on vous dit à bientôt, ciao! Ciao!